les amis, c'est Freezer Gamer, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc pour là, on se retrouve pour que je vous présente la nouvelle version Minecraft, la 1.4.1, soi-disant la 1.13 sur PC. Je sais pas s'il est encore sorti. Donc on est le 23 mai, donc un nouveau film Star Wars qui sort, donc ce soit Star Wars, hein. Et voilà, on s'en fiche un petit peu parce que là on parle de Minecraft, mais voilà, la version 1.4.1. Si vous n'êtes pas encore dans cette version, mettez la mise à jour, voilà. Voilà. Donc moi, je regarde les nouvelles choses. Donc je sais un petit peu ce qu'il y a. Parce que je sais. Parce que j'avais vu des vidéos sur PC ce qu'il y a, les nouveautés. Donc là ça change pas. Ça change pas. Non. Rien ne change pour l'instant. Donc déjà on va voir sur le monde, c'est ce qui change le plus. On va créer un nouveau monde. Donc là on pouvait un petit peu voir la surface épique. Donc ce monde, il va s'appeler... Allez, 1.13. Donc voilà. Allez, 1.13. 1.13. Même si c'est pas 1.13, on va mettre en créa. Normal, on va mettre un paisible. Non, non, on va mettre un normal. Un normal parce qu'il y a des nouveaux mobs. Je vais mettre un opérateur, comme ça je pourrais utiliser une nouvelle commande. Donc infini. Bah oui, infini. Et je vais apparaître à côté sur un océan. Bon, bah, allez, on va voir. Alors, je choisis des graines. Attendez, je viens. A tout de suite. Je vais juste mettre une graine qui va être à côté d'un océan, donc à tout de suite. Donc les gens, gros les gens, j'ai mis un biome savane, enfin une île au milieu de l'océan, parce que c'est la mise à jour aquatique. Donc je vais mettre affiche les coordonnées. Nanana. Éducation, édition. Les gens, il y a éducation, édition. Regardez, éducation, édition. Les gens, on teste ça dans un prochain monde, ok. Je regarde juste un petit peu et voilà. Donc je crois que c'est bon. Alors, je vais le créer le monde. Et on va voir ce qu'il y a. Donc à tout de suite les gens. Donc les gens, je viens juste d'arriver sur le monde. Donc maintenant on va regarder la couleur de l'eau. C'est ce qui change le plus. Donc voilà. La couleur de l'eau. Donc là c'est la couleur d'un océan. Oui, c'est la couleur d'un océan tropical. Donc là on peut déjà voir l'eau. Et là on voit les coraux. Donc on va aller dans l'eau. Parce que là on voit qu'il y a une lumière. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous dire, c'est une sorte de cornichon. Regardez. Là-bas au fond. Tac. Voilà, ça là, au fond là. C'est un cornichon. Un cornichon qui fait la lumière. Donc je vais vous montrer aussi les blocs. Mais d'abord, je vous montre juste un petit peu les coraux par exemple. Voilà, ok. Donc là, on a un cornichon qui fait la lumière. Donc c'est des cornichons de mer. Ici, on a une sorte de temple, on va dire. Non. Normalement, il y a un coffre ici. Non, il n'y a pas de coffre. Normalement, il y a un coffre, hein, les gens. Non, ok. Il n'y a pas de coffre, ok. Donc on a plusieurs sortes de coraux déjà. On a aussi des poissons. Regardez, des poissons en 3D. Voilà. Parce que avant on avait juste des poissons qu'on pouvait manger. Donc on peut les taper. Voilà. Donc j'ai pas envie de les taper sinon vous allez croire que je suis cruel. Alors déjà on a du kelp. Voilà. Du kelp c'est les algues. Voilà, c'est très nouveau. C'est vraiment bien. Par exemple là aussi. Non, c'est là le kelp. Là c'est la seagrass. C'est l'herbe de l'eau. Tac. Donc on va récupérer. Et après il y a une nouvelle fonctionnalité de l'eau. Les items, au lieu d'aller au fond de l'eau, ils reviennent en haut. Donc normalement il y a les items, ils sont hors de l'eau. Donc il y a des petits bugs encore. Parce que là on est ici. Donc c'est un petit peu normal. J'ai récupéré. Voilà. Donc le kelp, c'est ça le kelp. Varèche. Ok. Là on a des poissons, donc là il y a des saumons, non, je sais. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter les blocs, les nouveaux blocs, une nouvelle chose.
une nouvelle fonctionnalité. Donc je vais faire ça hors de l'eau. Ah regardez, regardez, un dauphin. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'était le truc que j'attendais le plus sur Minecraft. Les dauphins. Regardez, les dauphins. Oh bien, il y a des dauphins dans Minecraft, les gens. Oui. Donc c'est vraiment difficile à toucher. Ah. Donc je vais vous montrer les nouveaux blocs. Donc à tout de suite. Regardez les gens, je suis tout en haut de l'île. Là, on voit l'eau, elle est tellement belle. C'est très très beau, je trouve. C'est une très belle couleur pour l'eau. Et en fait, il y a plusieurs couleurs d'eau, en fait, les gens. Là, c'est la couleur de l'océan, d'un océan tropical. Et après, je vous montrerai les icebergs et tout. Voilà. Donc là, je vais vous montrer en même temps les blocs. Donc là, je vais vous montrer. Donc en premier, les gens, on a les escaliers en ce bloc là. Je vais juste enlever mon effet de potion parce que là, c'est horrible, on va dire. C'est un petit peu mon sang, mais voilà. Donc en premier, on a des nouveaux escaliers de l'eau. Voilà, c'est un escalier de laine avec. Je crois que donc là on a des nouveaux blocs, par exemple l'escalier en je sais plus quoi, et voilà des escaliers sous-marins, des marins, voilà, et aussi les nouvelles dalles, voilà. Donc voilà. Et aussi nous avons de nouvelles trappes, par exemple celle-là, comme ça fera plus de déco. Donc voilà, c'est les mêmes que les portes, sauf que ça c'est des demi, et c'est encore, je trouve que j'aime bien ça. J'aime bien ces trappes, elles sont vraiment belles. Comme celle-là, on dirait une tablette de chocolat, regardez. Une tablette de chocolat, c'est vraiment drôle. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, oh, une tablette de chocolat. Donc voilà, passons aux prochains items. Donc les gens, comme nouveau bloc, on a le bloc de kelp, donc le bloc d'algues. Ça sera de bonnes déco quand même, hein, je trouve. Ça fait genre truc militaire, là. Les temples militaires, je sais pas. Des choses dans le genre, pour faire des conservateurs. Hein, par exemple, on stack dans les bateaux de transport, on a des caisses, donc c'est... voilà. Et voilà, comme nouvelle arme, on a le trident. Donc le trident, je vais l'essayer sur ce pauvre creeper. Donc là, il part, mais je vais t'avoir. Donc un trident, ça a été mis à la maincon. Donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment bien. Donc voilà. C'est un trident. Donc le trident, il est comme ça. Donc quand on le lance, tac, là vous pouvez le voir. Je trouve que sa texture est vraiment belle, mais il fait pas trop Minecraft. Donc, mais au moins, c'est bien, on a un trident. Donc, je sais pas encore où on peut trouver des tridents. Donc, ça marche comme les arcs. Donc, depuis longtemps. Parce que là, je parle sur PO, les gens. Tac. Donc je m'amuse bien avec ça. Il y a aussi des nouveaux enchantements pour ça. Je vous parlerai de ça plus tard. Donc ça aussi, le cœur de l'océan, le Heart of the Sea, je vous parlerai de ça plus tard. C'est bon. Donc on a des seaux de poissons. Donc par exemple, là c'est seaux de morue, de saumon, de poissons tropicaux et de poissons globe. Donc les seaux de morue, là ça fait spawner un poisson là. Il y a un petit bug avec la texture. Ah non, c'est bon. Et donc le poisson, il doit vite chercher un endroit où pour pas mourir. Voilà. Regardez. Non, ça marche pas en fait. Ça ne marche pas. Si, regardez, il saute. Regardez les gens, ils sautent. Quoi? Mais non! Pourquoi c'est comme ça? Bon, normalement, ils sautent les gens. Je comprends pas trop pourquoi, mais normalement il saute. Tac. Regardez le poisson tropical. Oh, il est où? Ça lag tellement. Genre, j'arrive même pas à voir. Donc, désolé s'il est pas très bien. On voit pas très bien, mais voilà. Donc, on a des nouveaux sauts. Donc, vous prenez un saut.
dans la mer, et si vous êtes en survie. Donc après vous allez dans, dans l'eau, vous récupérez un poisson et que... Donc ça c'est quoi ça? C'est un zombie. What? Non non non, le zombie il est censé écouler, devenir un drone-head. C'est vraiment pas... C'est pas vraiment ça, hein, monsieur le zombie. C'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Hein. Normalement il doit couler, il doit devenir un drone-head. Donc je vous expliquerai c'est quoi. Après, ou peut-être que ça n'a même pas encore été rajouté. Voilà. Donc après, on a les cornichons que je vous parlais de tout à l'heure. Là, les cornichons qui font de la lumière. Par exemple, là, il y en a. Voilà. De la lumière que je vais vous montrer. Tac. Tac, vous en mettez 1, 2, 3, 4. Et là, c'est 4 au maximum. Donc voilà. Et là, par exemple, attendez, je vais essayer de ramasser un poisson avec le seau. Là, je vais essayer de récupérer un poisson. Donc ils sont partis là-bas. Mais ah, j'arrive pas à bien avancer vite en fait. Non, 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 ça je vais pas voir. Quoi? Les gens normalement ça récupère. Peut-être qu'il faut appuyer longtemps. Attendez les gens. Je sais pas encore. Ah si, j'ai réussi les gens, regardez. Regardez, j'ai réussi à le récupérer dans le seau. Donc voilà. Ça vous prouve que vous pouvez les récupérer dans un seau. Maintenant, après le cornichon, donc les blocs de coraux. Donc je vais vous le montrer à la surface, ici. Alors les blocs de coraux, donc ici dans mon inventaire, on peut les voir. Donc c'est tout ce qui est... c'est pas là la blue ice, hein, c'est pas ça. Ne regardez pas ça, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, les blocs de coraux, donc, je vais vous montrer c'est quoi. Tac, 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 et voilà. Donc là, on a tous les blocs de coraux dans mon inventaire. Donc, on les place à la surface. Oula, oula, ça lag vraiment là. Ils meurent. Donc, voilà, ils ont leur... Voilà, ils meurent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau qui les touche. Donc, il faut qu'ils soient dans l'eau. Regardez. Donc, quand ils sont dans l'eau, voilà. Ça peut... Donc là on a dit toutes les couleurs. Donc c'est pas du fait. Tac. Et voilà. Enfin, là ils sont morts parce qu'ils sont à la surface. Ah. Sous l'eau. Donc voilà, comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. Ah non. Donc il y a aussi les trucs de cou. J'arrive plus à parler. Les choses de cou là. Attendez, je vais vous montrer. Les blocs de corail cerveau là, c'est des choses. Corail de tube. Je connais pas très bien les noms. Donc 3, je sais pas. Non. Donc ça se pose. C'est comme c'est la même fonctionnalité que les coraux. Ils meurent quand ils sont à la surface. Ils meurent quand ils sont à la surface. Quand ils sont dans l'eau, ils ne meurent pas. Regardez, c'est vraiment beau, je trouve. C'est beau pour les petites décos dans le monde. Moi, sur ma série Villiche, vous savez, là, je vais faire une ville et je ferai un aquarium dans pas très longtemps. Donc là, vous pouvez voir les coraux. Vous pouvez les mettre. Donc, les coraux, les cornes de coraux. Enfin, les trucs coraux, là, comme ça. On peut les placer que sur le bord, sur le dessus. Là, ceux qui sont sur le bord, c'est les choses qui sont comme ça, là. Voilà. Les colonies, voilà, ça s'appelle des colonies. Là, c'est des corails, voilà, les cornes, les corails, je sais pas. Donc voilà, et y en a de toutes sortes de couleurs. On va prendre celle-là, j'ai dit. Celle-là, non, c'est celle-là. Celle-là, ici. Okay. Voilà, comme ça. Donc vous pouvez les placer sur le bord des blocs. Ah non, on peut les placer que sur les coraux. Ok, ok. Donc c'est bien, hein, c'est une bonne chose à savoir. Mais... Ok. Donc là, vous pouvez poser, hein, ça fait vraiment beau, je trouve. Donc voilà, on a les blocs de coraux. De corail. Ah, là c'est un peu parfait. Regardez les gens. Voilà. Je vous montre. Voilà, ça c'est un... Ils sont gros. Ils sont vraiment gros, là. Là je trouve que c'est bien. C'est beau. Donc là ils deviennent plus en plus petits. J'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès.
Non, vous croyez pas que j'ai tué. passons à la prochaine partie. Donc ce sera la partie sur les icebergs. Donc les icebergs avec la blue ice, la glace bleue. Donc c'est une nouvelle glace. Donc une glace qui est plus glissante que la glace compactée là, ou la glace normale. Voilà. Donc je vous dis, regardez une vidéo d'Aurélien Sama, voilà cette vidéo là qui s'affiche sur l'écran. Donc le lien dans la description. Et voilà. Maintenant je vais vous montrer, enfin il y a aussi la blue ice, oui. Attendez, il y avait quelque chose d'autre. C'était que la blue ice. À tout de suite les gens. Donc les gens, donc je vous montre les trois sortes de glace. Donc la glace normale, la glace compactée et la blue ice. Donc la glace bleue. Voilà, elle glisse plus que... Regardez, je vous montre un truc en survie. Elle est plus... Donc, j'arrête pas de dire elle est plus, mais ça sert à rien. Donc, regardez. La glace bleue, je vais la mettre là. Mais si je me mets en survie et que les monstres m'attaquent, ça va pas le faire. Donc, je vais me mettre en survie aussi. Donc, regardez. Pour casser la blue eye, ça prend plus que 4 secondes. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Ça prend 5 secondes. Donc, il est plus résistant que l'obsidienne. Donc ça vous le prouve juste maintenant. Donc maintenant je me remets en zone créatif avant qu'un zombie me tue. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer au mob. Voilà, au mob. Donc à tout de suite. Donc les gens, je reviens. Donc je croyais qu'il y avait le dronehead et le dauphin. Le dronehead et le fantôme, mais ils sont pas dans cette version. Peut-être dans la prochaine mise à jour. Parce que là, c'est pas vraiment fini. Ça se voit que il faut les correctifs de bugs. Hein, là, quand je bouge la tête, c'est pas très bien. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le dauphin. Donc l'œuf de dauphin. Vous avez entendu le bruit? Attendez, regardez. Vous allez entendre le bruit. Donc 3. Allez. 3, 2, 1. Ok. Non, là c'est un bruit de paix. Voilà, ça c'est un bruit de pain. Voilà, là c'est des bruits de pain. Donc là il y a plusieurs de pain. Donc et, en fait ils peuvent jouer avec les items. Donc là je vais les suivre parce que ils sont sans doute en train de jouer avec les items. Donc regardez, attendez, je vais jeter cet item. Normalement là ils vont jouer avec l'item. Ok, il joue pas qu'il t'aime, sauf que là, regardez, c'est un remonte à surface au bout. Donc voilà une nouvelle fonctionnalité de l'eau. Alors, il y a aussi des bateaux sous-marins. Stop! C'est Freezer Gamer du montage qui vous parle. Donc, j'ai quelque chose à rajouter sur les dauphins. Donc, quand vous êtes un bateau et que vous tapez un groupe de dauphins, donc comme un peu ce que j'ai fait, là, si j'étais en survie et que j'étais en bateau et que je tapais un dauphin, ils peuvent sortir de l'eau, ils sautent de l'eau en fait. Et vous attaquent par derrière. Donc c'est très ça. Ils font très mal quand ils font ça. Donc voilà, faites vraiment attention. Juste voilà, petite aparté sur la vidéo. Et aussi sur là, je parle de bateau là juste maintenant. Donc sur les bateaux, en fait, c'est pas un bateau, c'est les épaves de bateau. Ils sont pas dans cette version. Ils seront dans une prochaine version. Donc cette version, elle sortira, je sais pas quand, mais voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette petite sur ce que je voulais dire là. Donc voilà. Bonne vidéo. C'est un petit peu c'est très difficile à... Attendez, non, je crois que c'est pas ce que je pense. Ok. Là on y voit à peu près rien. Ok. Je vais juste vous montrer aussi avec les blocs de magma et la soul sand. Donc le bloc de magma et la soul sand. Ah oui, et normalement le ça doit... Ok, normalement c'est censé. Donc ça sera dans la prochaine version, les gens, qu'il y aura le dronehead, je crois, je suis pas sûr. Mais voilà. C'est pas vraiment cool. Hein. Ok.
du coup. Donc là, normalement, ça doit faire des bulles. Quoi? Il n'y a pas de bulles. Les gens, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est censé faire des bulles. Hein. Attendez. Et what? Attendez. Je me mets là. Non, ça fait rien. Les gens, c'est... Oh, elle est froide que cette version n'est pas encore terminée. Hein. Parce que là, ça se voit que... Normalement, ça nous fait remonter avec le bloc de magma. Et ça nous fait redescendre avec la soude sang. Ça nous fait coller là. Donc, c'est vraiment... C'est bizarre. Maintenant... Alors, on va passer au Heart of the Sea. Et non, non, au Trident en premier. Parce que je j'aime pas trop Heart of the Sea. Donc, les gens, je vais commencer avec ce livre-là, Loyauté. Donc, on va commencer avec Loyauté 1. Pour voir ce que ça fait. Donc, je sais plus comment ça se fait. Donc, je regarde juste. Là, je vais essayer de quand même prendre un mob. Donc, les gens, un zombie. J'ai pris un zombie. Donc, là, on prend un zombie. On va voir ce que ça fait. Ouais. Attendez, il revient vers nous, loyauté. Loyauté, c'est qu'il revient vers nous. Regardez la petite animation. Les gens, regardez. Allez, je vise l'île. Tac. Regardez les gens, il revient vers nous. C'est trop bien, regardez l'animation. Je vais voir en survie. Vraiment, c'est cool. J'aime bien. Ah oui, ça c'est mon truc préféré. C'est mon truc. Wow, fais gaffe toi. Oh non, je vais mourir. Les gens, je vais mourir par un mini zombie. Oh non, je suis mort par un mini zombie. Oh non, vite, faut que je revienne tout de suite en survie. En créa. Flash game mode C. Tac. Ouf. Je me suis fait tuer par... une saleté de zombies. Mais non, mais sérieux, j'ai tout. Mais j'avais même pas que c'était un zombie comme ça. Bon bah je vais tout refaire du début les gens. Donc à tout de suite. Bon, revenons à Loyauté. Donc Loyauté, en fait, c'est un enchantement. Donc on voit que là ce zombie va mourir. En fait, c'est qu'il revient, on a une animation, et donc c'est vraiment beau, regardez. Donc je le lance là, il va revenir. Donc Loyauté 1, ça prend longtemps à revenir. Donc voilà, pour l'instant, ça n'a pas encore venu, donc voilà. Ça prend longtemps à revenir à Loyauté 1. Donc maintenant, on va essayer avec Loyauté 2. Donc Loyauté 2, ça prend moins de temps à revenir, donc... tac. Mais Loyauté 3, je vous dis, ça va vite. Hein. Donc là, il faut attendre encore. Ah, regardez les gens, ça va vraiment plus vite là. Ça va largement plus vite. Regarde, ça va largement plus vite. Si tu es sur le coin. Tac. Bon. Hashtag nul. Sérieux. Voilà. Arrête de bouger, t'as le mouton. Mais arrête pas de bouger le mouton. Tac, là c'est mieux. Donc voyez les gens, ça va un tout petit peu plus vite. Donc maintenant on va essayer avec Loyauté 3. Donc j'ai fait mon Loyauté 3. Donc maintenant on va voir ça prend combien de temps. Donc là j'en vois très loin. Donc ça doit revenir vraiment. Voilà, ça revient plus vite. Vraiment là revient plus vite. Donc ça fait 8 points de dégâts. Ça fait 8 points de dégâts. Donc un point de dégâts de plus que l'épée. Donc serveur de ça, je vous dis en PVP. Non. Je vous dis de pas prendre ça un trident. Par exemple, si vous voulez shooter, par exemple, si vous voulez faire un serveur, au lieu de prendre des arcs, bah vous mettez des tridents. Donc voilà, c'est super. Donc les points diamants, ça fait 7 points d'attaque. Là c'est 8 points d'attaque, donc vraiment c'est largement plus. Donc maintenant on va passer à empalement, je crois. Donc à tout de suite. Donc on va voir, je sais plus si ça sert à quoi déjà empalement, je sais plus du tout. Donc je vais tester sur un autre zombie.
Je vais tester sur... Oh, il y a le zombie qui est derrière dans l'eau. Je vais essayer sur lui. Ah, je sais, je suis un tout petit... Ah, ouais, un tout petit peu de réel. Ouais, zombie. Je vais tuer. Tac. Ah, je sais pas trop si c'est quoi. Apparemment. Ok. Ok. Mais je comprends pas c'est quoi déjà apparemment, en fait. C'est quoi apparemment? Je vais juste récupérer les items qu'il a sur lui. Il n'en a pas les gens, il n'en a pas. C'est quoi apparemment? Attends. Peut-être que ça va plus vite. Ouais, ça doit être ça. On va essayer avec un autre, parce que là je comprends pas. On passe à un prochain, les gens. Donc les gens, on va essayer avec canalisation 1 et raccommodage 1. De toute façon, il y a une seule truc de. Donc déjà on va essayer raccommodage. Donc c'est pas pour ça. Et là, donc ça sert à rien. Donc je vais essayer avec ce truc en fait. Ah ouais, ça tire méga vite. Là c'est tout. Ça tire méga vite hein, les gens. Ah ouais, les gens, ça tire méga vite. Attendez, je vais essayer sur les gens. Ouais, ça tire méga vite ou méga long, je sais plus. Ok. Ouais, ça tire méga vite en fait. Et ça. Donc moi mon préféré c'est loyauté. Je crois quand même si c'est rare à avoir. Il doit être vraiment rare à avoir ce loyauté. Parce que c'est un des plus mieux, je trouve. Donc pensez dans les commentaires. Dites-moi celui que vous aimez le mieux. Et moi c'est loyauté 3. Ça revient hyper vite. Tac. Donc il va revenir tout de suite. Donc quand il va atterrir, il revient. Regardez. Wouh, c'est trop bien. Maintenant on va passer. Donc il y avait aussi des choses que je vous avais pas montré. Donc la nouvelle fonctionnalité de l'eau. Donc par exemple, avant la nouvelle fonctionnalité de l'eau, je vais vous montrer un truc avec les arbres. Donc je vais aller voir un arbre sur l'île. L'île la savane. Hein. Parce qu'on est dans un biome là-bas. Allez, on va aller là-bas. Donc si vous avez entendu un bruit, désolé. Donc là c'est l'île aux survivants normalement. C'est une île aux survivants. Mais... Donc vous prenez une hache normale hein. Donc moi on va dire que je vais prendre une hache en fer parce que j'aime bien une hache en fer. Voilà. Et ce que ça va vous faire, donc vous aurez peut-être deviné pour ceux qui regardent Aurélien Sama ou Cyranix. Donc ouais. Donc vous appuyez dessus, ça vous fait. Un truc écorcé comme ça par exemple le bois de bouleau écorcé. Donc ça peut vous faire peut-être un parquet plus beau peut-être, hein, je sais pas, peut-être. Allez, un parquet comme ça. Oh, j'arrive pas. Tac. Ok, voilà, vous pouvez faire un parquet comme ça. Il y a plusieurs sortes, donc je vous montre les sortes donc à tout de suite. Donc, alors je vais vous dire. Donc ici c'est le bois de chêne noir écorcé, ici. Donc ici c'est le bois d'acacia écorcé. Ici c'est le bois tropical écorcé. Ici c'est le bois de bouleau écorcé ici. Hein. Donc ici c'est le bois de sapin écorcé. Ici c'est le bois de chêne écorcé. Et voilà. Donc ça fera peut-être de beaux parquets, je trouve. Donc je vais utiliser ces bois dans ma ville. Donc pour ceux qui veulent aller voir, qui veulent voir ma nouvelle série. Enfin c'est pas une nouvelle série, c'est depuis le début de la chaîne que j'ai. C'est ma série principale, donc c'est Ville YouTube. Donc là ça me fait, je fais la saison 2. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer de nouveaux trucs, par exemple. Varech séché, c'est des algues séchées, donc tu peux les manger, enfin vous pouvez les manger. Là moi je suis un créatif et j'ai trop la flemme. Donc maintenant je vais vous présenter la fonctionnalité de l'eau. Donc les gens, donc là
Ça peut passer à travers les escaliers. Donc là, ça peut vous faire un truc très très beau. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous faites ça comme ça. Donc vous regardez comment je fais. Donc ça lague un petit peu parce que mise à jour mon ordi, pas ça, mon ordi. Oui, mon ordi. Voilà, là c'est à l'intérieur. Il y a ma tablette qui a le bug un petit peu. Elle est pas habituée au niveau de mise à jour. Donc voilà. C'est beau, je trouve. Hein. Donc ça c'est bien. Maintenant je vais vous montrer les autres blocs dans l'eau. Donc je vais vous montrer vers les cornichons là-bas. Donc les cornichons, c'est des trucs qui sont bien chauds. Donc voilà. Alors. La plaque de pression, elle est plus comme avant. Donc avant il y avait un bug là, vous voyez, l'eau elle croyait que c'était un bloc d'eau normal. Maintenant, donc il n'y a plus de bug. Enfin, avant c'était exprès. Donc voilà, l'escalier aussi. La barrière aussi. Voilà les barrières. Enfin, là, ça c'était les portillons. Donc la barrière aussi. Ah, ça lag trop. Ça aussi. Voilà la murée. Voilà ça aussi. Ça aussi. Il y a aussi les autres choses. Donc ici, normalement c'est ça. Donc si c'est pas vraiment ça. C'est un petit peu difficile de se déplacer là, j'arrive pas à se déplacer. Donc oui, la porte elle a été correctée, le bug a été correcté. Voilà. Mais, aussi la trappe. Alors, les trucs de laine. Oui, les tapis de laine ça marche. Donc c'est bien. C'est bien. Oula, oui, l'enclume, oui. Et le panneau. Tac, oui. Donc tout ce qui est là, ça marche. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Là, je vais faire un petit screen, déjà, pour ma miniature. Donc voilà, à tout de suite. Donc c'est bon les gens, j'ai fait le screen. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien, cette mise à jour. Et aussi un truc d'iceberg, là, un nouveau seed, c'est les trucs d'iceberg. Donc voilà, je vais faire ça pour vous. Donc à tout de suite. Ah là là, c'est trop dur. Les gens, j'ai compris pourquoi j'arrivais pas bien à nager. Regardez là en haut, en haut à gauche, on peut voir mon skin nager. Regardez, c'est trop bien. Je peux me mettre à terre comme ça. Ouais. Regardez les gens, c'est super bien. Waouh. Oh, j'ai une trop bonne idée. Hein. Attendez, j'ai une trop bonne idée. C'est trop bien. Ah, j'avais complètement oublié qu'il y avait la ah, j'arrive plus à monter là, les trucs comme ça. Ah, c'est vraiment trop bien. Donc je vais vous montrer un nouveau truc aussi avant de vous montrer les épaves. Donc à tout de suite les gens, c'est bon. Là j'ai fait une sorte de truc comme ça et là je peux nager à la terre de ça. Donc comment, parce que mon personnage il fait 2 blocs de hauteur. Et comment t'as fait pour mettre de l'eau à l'intérieur? Bah, parce que grâce à la nouvelle mise à jour de l'eau avec les nouvelles choses, je peux aller à l'intérieur. Donc, regarde. Vous savez que je peux nager comme ça à terre. Donc, ça fait déjà un bloc. Donc, je peux nager à l'intérieur. Parce que ça fait un bloc, ça. Regardez, c'est trop bien. Et là, je tombe. Là, je tombe. Mais les gens, c'est trop bien. Vous voyez pas? C'était trop bien. Donc, attendez. Je vais revenir à l'intérieur. Regardez. Regardez les gens, je suis à l'intérieur d'un bloc. Enfin, de ça. Regardez, c'est vraiment bien. Je suis trop content. Je suis à l'intérieur de ça. Donc, je vais mettre en troisième vue. Comme ça, vous allez voir. Et on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Parce que là, je crois que cette vidéo dure vraiment assez longtemps. Donc, voilà. Troisième personne. Avant. Là. Tac. Ouais. Ok. Ok. Regardez, je vais essayer de voir ma tête. Mais là, on voit un petit peu ma tête. Oui, on voit un petit peu. Un tout petit peu. Donc, je vais essayer de nager là. Ah, dur. Et je vais essayer de nager là dans la mer. Regardez les gens, c'est trop bien. On peut nager dans la mer. C'est normal, mais... Regardez, est trop bien là. La...
trop bien. Je trouve que c'est trop bien. Je peux nager. Donc voilà les gens, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc voilà, on se retrouve avec moi en train de nager dans l'océan. Et que voilà. Donc salut les gens. Bye. Peace. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's